Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us Part 1 Remastered, évidemment. Installez-vous confortablement, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et croyez-moi que nous allons, si tout va bien, prendre un maximum de plaisir tous ensemble. Et pourquoi pas terminer notre aventure dans des petites scènes masterclass. Genre quoi? Genre ça, les gars. Genre ça. Voilà. Par exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. Et encore, j'ai foiré, hein. Je ne voulais pas du tout faire ça à la base, sachez-le. Mais bon, ce qui est fait, j'ai envie de vous dire. Wow. Les gars, j'ai re-regardé. Je te couvre. J'ai re-regardé cette scène pour comparer les graphismes. Les gars, c'est juste fou en fait. Il est par là. Incroyable. Il fallait que je fasse une prise. Il fallait que je fasse une prise d'otage. Il fallait que je fasse une prise d'otage sur la fin en utilisant le corps d'un man. Quoi? Nouvelle arme? Non, tu déconnes. C'est incroyable. Totalement fou. On se déploie. Ok. Une nouvelle arme? What the fuck? Rien, continue de scanner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup ça. Vérifie le couloir. C'est beaucoup ça. Bon, c'est notre dernier épisode, les amis. Je rappelle qu'on a déjà vécu cette aventure, c'est pas du spoil. Et on avait même vécu la suite. Va voir de ce côté. Mais c'est fou comme le jeu a été trop bien refait, vraiment. Ouais, je suis mort, je pense, non? Ok. Trouve rien de mon côté. Pareil. Très bien. Matez ce qui va se passer. Mate-moi ça comme Matt Pokora. Incroyable. Ok, Bibiche, je vais m'occuper de toi, t'es le prochain. Ça roule? J'espère que c'est noté. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Regardez-moi ce visage de la douleur. Mon seul point faible. Ok. Bon. Les amis, pour l'instant, on s'en sort très très bien. C'est même magnifique. Je pensais pas que ça allait être si beau tout ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. Très bien. Bah, en vrai. Oh. Oh, bon, le temps qu'il trouve, hein. Les gars, on est large. En vrai, est-ce que ça vaut le coup de fouiller, se faire des petits plaisirs? Quitte à terminer, autant terminer au max, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, on va se le faire, évidemment, sur un, tu connais. Ok. Toi, t'as vraiment pas de bol, hein, mon ref. Hein. Toi, t'as vraiment pas de bol. Oh, mon pauvre. Oh, les visages sont tellement bien faits. Oh, putain, c'est surprenant. J'espère que ceux qui sont en 4K 60 FPS, vous voyez. Mais wow, les détails sont fous. Ça, c'est ce qui me choque le plus. Tu ressens presque la douleur que eux ressentent, en fait. Genre, c'est incroyable. Ok. Il en reste deux. Attends. Oh là là, regarde les débris de la brique, c'est trop bien fait, les gars. Et les gars, je suis à l'épisode 22, ce remaster est genre juste fou. Comment je vais pouvoir me la jouer, là?
Encore prise d'otage peut-être. Là il y a un mec qui est parti tout à droite. Il y en a un qui le suit, deux qui suivent derrière. Ok, bon, ma brique n'a pas fait d'effet. Ma brique n'a pas fait l'effet estompé malheureusement. Ok, bon, le lance-flamme c'est peut-être un peu too much. Donc autant briser des genoux et des gueules. Alors, que dalle, ton côté. On l'a trouvé que dalle, on vérifie. Allez. Ok. Ils sont nombreux, hein, c'est... Attends. Il y a un monde où... Ah putain, merde. C'est fermé. Ok. Je voulais faire tout le tour, mais... Ok, why not? Alors là, je... À moins d'être très sauvage. 3, 4... Ah si, il y a lui, là. Allez, tu vas mourir près du frigo, frérot. Oh oh. Il est pas ici. Le couloir. Vas-y, je te couvre. Ok. 1, 2. Regardez ce qui va se passer. Le passage, la déguichée. C'est la merde. Je m'attendais pas à ça. Hop, 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 hop. C'était pour le côté un peu spectaculaire. Terrible. Il est par là-bas ? Il est plus là. Ici ! Vas-y, sur le passeur. Dans la tente ! Okay. Désolé messieurs. Alors attendez. Hop, ça je prends. Il reste qui? Il reste plus personne là? Ok. Beaucoup de morts. C'est une tragédie pour le milieu hospitalier, malheureusement, au niveau des Lucioles. Mais c'est comme ça. Ils m'ont provoqué. Ils me voulaient un peu de mal. Je vous avoue que je n'aime pas quand on me veut du mal. Donc j'ai dû les régler très rapidement. Allez, on passe à la suite, les gars. On passe à la suite. Tiens, attendez. Pour le plaisir, allez, confection rapide. Ouais, on s'en fout, les gars. C'est la fin, on se fait plages. Bon, bah on peut... même, je pense que en n'oubliant aucune pilule... Pillules. On ne peut pas être maxé au niveau du personnage. Il y a obligatoirement des choix à faire tout le long de l'aventure. Et c'est pas plus mal comme ça, hein, évidemment. Donc, regardez le nombre de pilules qui manquaient. Il manquait du 100, du 40. Ouais, il manquait... Allez, 300 pilules. Et pourtant, je vous assure que j'ai fait l'effort, hein. J'ai fait l'effort, j'ai presque tout eu, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Allez, phase suivante. Attention. Oh. C'est une vraie boucherie par ici. Faut fouiller tout l'étage. Il ne doit pas s'échapper. Ok. J'ai eu peur, je me suis chié dessus. Il est là-bas ! T'es venu d'où toi mon ref ?
Oh, t'es insolite, toi. Mais t'es mort. Ouah, j'étais pas prêt à ça, hein. Je vous avoue que j'étais pas prêt à ça, hein. Ok. On va prendre ça. Non, on va prendre ça, et là, on va prendre le... Très bien. En fait, ils sont revenus super vite. Je pensais qu'ils étaient loin. Et ils étaient trois, ils sont revenus à deux. Donc, je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Celle-là ne nous regarde pas. Ça, je prends, évidemment. Ok. Très bien. Allez, c'est par là. Ah oh bah alors là, j'avais jamais vu une chaise de cette manière là posée. Là y'a rien là. Dommage. Voilà, il peut essayer, il n'y arrivera pas. Hein. À moins de plier le métal, frérot. Genre y'a qu'une issue, c'est ici, tu sais. Même à mon collège, il y avait toujours deux issues pour aller dans un étage. Ok. What the fuck? Un enregistrement? Très bien, ça. 28 avril. Marlène avait raison. Je n'avais encore jamais vu ce type d'infection. La cause de l'immunité de la fille reste incertaine. Comme observé dans tous les cas précédents, les titres antigéniques du cordyceps restent élevés dans le sérum et le liquide cérébrospinal. En laboratoire, les échantillons de sang de la patiente développent rapidement le cordyceps en milieu fongique. La différence, c'est que les globules blancs, aussi bien en pourcentage qu'en valeur absolue, restent à un niveau normal. On n'a constaté aucune augmentation de cytokines pro-inflammatoires, et l'IRM cérébral n'a décelé aucun signe de contamination fongique dans le système limbique, qui accompagne d'habitude le prodrome d'agressivité chez les patients infectés. On doit trouver un moyen de reproduire cet état en laboratoire. On est sur le point de faire une découverte aussi cruciale que la pénicilline pour l'humanité. Après des années à tourner en rond, on va enfin pouvoir faire la différence et permettre à l'homme de redevenir maître de son destin. Tous nos sacrifices et toutes ces centaines de vies perdues pour cette cause n'auront pas été vains. Putain, il parle de la pénicilline, les gars. Je suis allergique à la pénicilline. Donc, paye ta découverte, frérot. Moi, ça me coûte cher, ok? Allez, on casse, let's go. Oh, oh, un petit médaillon, je dis oui, s'il vous plaît. Un pendentif, ok, retourné, très bien. Steward, par contre, les deux numéros, forcément, une balle a traversé le bordel. Ok, oh là, les gars. Ouais. Ça, c'est de quoi mener une guerre, hein. Il y en a même beaucoup trop, hein, je vous le dis. Hop. Je change la pipe. Voilà, je suis désolé, on va encore faire ça. Tant pis pour le reste. Ok. En plus, c'est pas comme si j'ai de quoi mener 8 guerres à peu près. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, il y a du monde là-haut. Après, les gars, on peut pour la première fois se la taper hyper hardcore. Waouh! Nous avons enfin passé la frontière de l'Utah. Dans quelques jours, nous aurons rejoint les autres. Aujourd'hui, le moral des troupes était meilleur. J'étais inquiète à ce sujet depuis le décès de Greg et Tania la semaine dernière. C'est bon de les entendre rire à nouveau. Robin est venu me voir et m'a dit merci de veiller sur nous. Ellie ne s'en est pas sortie. Le 23 mars, nous sommes arrivés à l'hôpital. C'était la fête, du moins pour les autres. Le bonheur de retrouver ses amis. Certains ne s'étaient pas vus depuis 10 ans. Après avoir appris la nouvelle, j'étais incapable de manger ou de parler à qui que ce soit. Je devrais me réjouir d'être en vie, mais pour l'heure, j'aimerais simplement fermer les yeux. Il me regarde et je sais ce qu'il pense, que nous ne sommes qu'une bande de troufions incompétents. Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'ai cru que j'allais mourir. Mes hommes étaient traqués par le bataillon de Boston tout entier. Il fallait que je lui fasse quitter la ville. Comment j'aurais pu savoir que l'escorte des Lucioles était déjà morte? Bordel. J'ai paniqué. Ah, d'accord, ils ont cru qu'Ellie était morte. Je ne supporte pas de leur parler, je ne supporte plus leur regard. Je ne peux pas rester ici. Nos éclaireurs vient d'envoyer un message radio. Il a repéré un adulte et une jeune fille qui entraient dans le tunnel par le terminal des bus. Il pense qu'elle avait les cheveux roux,
mais n'en est pas sûr. Et si c'était elle ? Arrête un peu, Marlène. L'équipe de reconnaissance est sur le point de sortir, j'y vais aussi. Très bien. Ok. Oh, il est déter le Joël, hein. Il est déter. Juste là. Non, je suis si mauvais que ça. Ouais, je suis si mauvais que ça, c'est officiel. Parce qu'ils m'ont chauffé les lascars. Attends, que j'utilise au moins ça une fois dans ma vie. Histoire de voir si ça redevient en situation classique. Le monde qu'il y a. Salle opératoire. Je reconnais. Ok. Ils sont beaucoup trop, hein. Ça va être compliqué cette connerie, hein. Le recul du bordel, mes aïeux. J'ai envie d'y aller au lance-flamme, frérot. Vas-y, Nick. Mes aïeux, je vais mourir. Putain, ils veulent pas me laisser me soigner, hein. Couvre-moi, j'y vais. Ouais, je te couvre. Couvre-moi, j'y vais. Je te couvre. Désolé, mon pote. Je crois que ça a giclé là. Pardon ? C'est bon. Vas-y. Oh la vache. T'as pris une décharge, frérot, avec le recul. Ok. Il est où le man ? Montre-toi, fils de pute ! C'est ce que je pensais. Ok. Superbe. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Ça a bien giclé comme on l'aime. Point trop n'en faut. Point trop n'en faut. Ok, partie suivante, let's go. Oh, putain, c'est là, je crois. Oh, on est à la fin ? Non, pas encore. Je vais gagner du temps.
Ellie ? En fait, je savais même pas... Eh, j'avais totalement oublié... Écoutez-moi bien. J'avais totalement oublié qu'on vivait cette scène-là. En fait, on la revoit dans The Last of Us 2, cette scène. Et je savais pas qu'on la vivait dans le 1. Je l'avais oublié. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je viens de donner mon autorisation pour l'opération. Je crois que j'avais pas vraiment le choix. Me demander n'était rien d'autre qu'une formalité. Je tiens à ce que tu saches que j'ai tenu parole pendant toutes ces années. Malgré tout ce que j'avais à faire, j'ai veillé sur elle. J'aurais fait n'importe quoi pour elle et il m'est arrivé de... On a une chance de nous sauver. De nous sauver tous. C'est ça qu'on cherchait. Ce que toi, tu cherchais. On m'a demandé de tuer le passeur. C'est hors de question que je tue la seule personne ici qui connaisse le poids d'une telle décision. Peut-être qu'un jour, il me pardonnera. Oh, tu me manques, Anna. Ta fille sera bientôt à tes côtés. Ok. Donc évidemment, voilà, il faut tuer Ellie, hein, vous l'aurez compris, étant donné qu'il faut retirer une partie du cerveau. Bon, c'est ici les potes. C'est ici la fin de cette folle aventure. Il va falloir prendre nos responsabilités. Putain de merde. Docteur ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend, pensez aux vies. Non ! Espèce de monstre ! Oh, un monstre, moi ! Non ! De toute façon, il me reste plus longtemps, maintenant ! Un monstre, quand même ! Tiens, hop, tu diras à ta fille que... Voilà, il n'y a plus de preuves. Normalement, ils pourront pas savoir que c'est moi. Allez, on se tire. Allez, je te tiens. Je te tiens. Oh merde. Allez, on se casse. Je vais où, moi ? Ok. Ellie, si tu prends un ou deux murs, c'est rien. Je vais te faire sortir de là. T'inquiète pas. Je te tiens. Couvre les sorties. Je te tiens. Allez, ça me dit. Ah oui, ils veulent pas la tuer, c'est pas. Je peux pas t'échapper. Non, non. Ah d'accord, je suis pas au bon endroit. What? C'était par où alors? Non. C'était par où? Ah, ils ont pas eu de pitié pour moi, hein, donc ça va, hein, j'ai pu me permettre, hein. Attends, je vais essayer. C'est par où, Spija? C'est par où? Tu peux pas t'échapper. Ah bah oui, il disait la même chose que moi, il disait putain, c'est par où? Ok. Ça va aller. Ah, désolé, Ellie, si t'as pris la porte. Ok, j'ai dit. Ça va qu'ils savent pas viser, c'est des stormtroopers. Hey, stop! Merde. Tu ne peux pas la sauver. Tu la fais sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait.
Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Oh, c'est dur. C'est dur. Ok. On dirait qu'on va devoir marcher. Ça devrait être direct par là. Ouais. C'est plutôt joli, non ? Ouais. D'accord. Attention à ta tête en passant. C'est bon. Là, je sens que je suis plus tout jeune. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse. J'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimée. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Oh. Regarde en bas. On est presque arrivé. Allez, de retour à Jacksonville. Les amis, ce n'est pas la fin d'une aventure. On n'est plus très loin. Je dirais même plus, ce n'est que le début d'une autre. Parce que The Last of Us 2 en 4K 60 FPS vous attend juste après pour avoir la suite de notre folle aventure. Incroyable, de la même qualité qui plus est. Donc, n'hésitez pas! Merci à tous ceux qui posent un like. Merci à tous ceux qui posent évidemment un commentaire. Je te tiens. Donne-moi la main. Et j'espère que ça vous fait plaisir, surtout sur The Last of Us 5, qui était d'ailleurs un sub-goal. Évidemment. Attends. De la boutique Yamanote Shop. N'hésitez pas à les voir sur Instagram et Facebook. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi.
On savait pas quoi faire. Alors... elle m'a dit... on n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie... elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... quoi qu'il arrive... tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Aïe, aïe, aïe! C'est dur, c'est dur! Quoi qu'il arrive, trophée or obtenu. Les amis, n'oubliez pas un maximum de j'aime et de commentaires pour ce The Last of Us Remastered Part 1, évidemment. Et je vous invite d'ores et déjà à aller voir la playlist de The Last of Us Part 2 qui était dans l'élan. Elle est déjà finie, cette aventure. Et vous allez repasser par diverses émotions. Je vous fais d'énormes bisous. Quel bonheur de réanimer mes souvenirs autour de cette licence, et effectivement, j'étais passé à côté du chef-d'œuvre il y a 9 ans. On l'avait fait ensemble, mais j'avais pas vu tout ce que ça impliquait. Et là, en le refaisant plus posément, en réfléchissant à tout ce qui s'est passé suite à ce qu'on a vécu dans le 2 et tout, ce jeu est juste fou, les gars. Ce jeu était fou il y a 9 ans. C'était une œuvre d'art. Et bien 9 ans après, c'est une œuvre d'art encore une fois, mais cette fois-ci encore plus bonifiée. Donc c'est incroyable. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye.